Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne là que vous avez une information sans problème. Nous avons contacté la presse mardi 22 mars 2022 à diverses organisations nord-ouest levé voile pour demander au ministère travaux publics, transport, communication, continuer travail et tronçon route Jean-Rabel pour Père. Un reportage avec Dussel, collaborateur correspondant nous, Louis Dussel Junior. Collectif défenseur Jean-Rabel, dans une rencontre avec la presse mardi 22 mars 2022, mandé ministère travaux publics, transport et communication, continuer travail tronçon route Jean-Rabel pour Père. Qui était commencé depuis sous président Jovenel Moïse. Porte-parole collectif en défenseur Jean-Abel Yo, Kenley Jean-Baptiste, déplorait le fait que route là représentait un gros danger pour nous qui a fréquenté pendant les bails autorités concernées 8 jours pour prononcer sous changement qui a porté sur route là. Kenley Jean-Baptiste. N'a souligné, sans pas gagner longtemps, diverses organisations qui étaient sorties dans plusieurs communes, tant que Jean-Rabel, Mol Saint-Nicolas et Bon Bateau Police, ont manifesté dans la ville Port de Paix pour dénoncer l'autorité en affaires, fonds d'entretien routier, et ont dit qu'il y a en main 111 millions de gouttes qui sont disponibles pour construction route dans l'Ouest. Côté, ils ont annoncé pour une deuxième fois une manifestation pacifique pour vendredi 25 mars Cap Vinila pour demander continuer à travailler dans son route Jean-Gabel Port de Paix. Jean-Gabel, métropole nord-ouest, lui, Dussel Junior. Ordonnateur national Haïti en action, ancien sénateur Yuri Latortue critique et façon premier ministre de facto. Ariel Henry a mené bac pays après 8 mois environ, il a déjà gagné dans tête primatia. Ancien sénateur Latibonite l'a estimé équipe en place là, pas montré ni volonté ni capacité pour résoudre phénomène insécurité avec Zach Kidnapinio qui a pas fini avec pays. Dirigeant AAA, Haïti en action, longé de tantôt sous chef primatia qui est rentré dans une démarche négociation à groupe gagnant une façon pour yo taka laisser passer pour quelques tabac laisser passer pour quelques activités reprendre dans quelques zones dans pays sans que yo pas camper sous affaire kidnapping là yo la tortue puis loin plaider pour ta gagner disposition qui prend dans niveau commandement ou commandement police nationale là dans l'idée pour corriger quelques désordres qui a fait dans institution. Nous invitons au côté ancien sénateur Yuri la tortue qui t'est parlé comme ça dans cadre yon point de presse li te bay nan local patia a yem a di 22 mars 2022 an koute. Qui politique de sécurité que Ariel Henry applique? Nous voyons que les délégués des gens qui sont dans l'entourage, qui font partie de partis politiques, qui sont avec, et les gens qui ont gagné pour négocier avec Bandio pour quitter la machine passée, d'après ça. Mais ils n'ont pas négocié sur la question de kidnapping. Les gens qui ont fait verbe pour faire kidnapping, mais ils voulaient quitter un climat côté que pour gagner l'impression que tout allait bien. C'est comme ça, nous connaissons un deal fait dans le bois des bouquets. Et tout ceci, c'est pour le cas dit qu'on climat pour faire élection. Et même les gens qui ont négocié, c'est les gens qui vont le candidat. Pour député, pour sénateur qui avait, et
monde yo une fois que l'élection finie pour remettre banditisme d'État sous pied. Ça veut dire que politique de sécurité Ariel Henry appliquée, c'est ça nous voyons dans la pratique là. C'est ça qu'il fait avec conseiller lui. C'est ça qu'il fait avec conseiller que le voyez négocier pour que les cas digon climat pour organiser l'élection, pour remettre question banditisme d'État sous pied. Mais pensez que malheureusement Ariel n'a pas assumé, Ariel Henry comme premier pas assumé, mais population n'a pas de doute que c'est ça que l'a fait. Bon côté, gouvernement de facto qui l'a, pas gagné justement ni capacité, ni volonté pour résoudre le problème là, parce que yo même avec Bandio, eh bien, yo c'est Marassa. Soit regardé dans où levé la police, yo dit il y a 16 000 policiers. Mais c'est pas ça qui gagne. Dans donné la police, c'est 14 000 policiers qui gagnent, on a dit en dans computer, ressources personnelles, il y a 14 000 policiers. Mais dans 14 000 policiers, ça qui gagne, ça nous remarque, gagne environ 2 000 qui partent au service de la population. Il y a des policiers qui ont un congé prolongé. Ils ont un congé, ils ont tout parti, ils ont pas retourné. Ils continuent à toucher. Ça veut dire que, sous environ 2 000 policiers, qui pas dans l'effectif là, sous gardé moyenne, comme qui a touché contre 30 000 gouttes par mois plus, disons 10 000 gouttes dans le ticat là, ça fait environ presque 80 millions de gouttes par mois. Ça fait 960 millions de gouttes par année. La police là doit commencer par mettre l'ordre de la Kaili pour que la police là, justement, gagne un minimum que le café pour protéger la population. Et c'est pour ça nous dit, comme ça, la police doit mettre l'effectif là à jour, qui c'est 12 000 liés pour le dire 12 000, et demander à ce que comme ça, dans la finance, il transfère ce petit cap policier qui travaille tout le monde. Parce que le policier qui travaille tout bon, lui-même, s'il joue un frère, ça, on l'a plus motivé pour le travail. Ça fait presque, disons, environ 800 000 dollars américains. Ça a acheté équipement que la police a besoin. Et troisièmement, comme ça, tout, la police doit programmer, l'administration de la police doit programmer pour transférer sous salaire tout pour qu'il y ait augmenté le salaire de la police. Ça nous voulait nous-mêmes, c'est que bon, la police a affronté Mandio. C'est que bon, la police a appliqué un plan de sécurité inacceptable pour que question de kidnapping, eh bien, divine comme un bagage normal, tout le monde a demandé qu'il le tout pareil. Et nous-mêmes, au niveau de politique, là, moi, je pense que faut que nous cherchions le meilleur consensus pour que retirer tout le monde qui dans l'État a parlé pour être fâché avec Bandi. Et nous faisons encore une fois appel à consensus là, ça, pour que il y ait des dirigeants qui disent orientation qu'il y a pour c'est renforcer la police, renforcer les forces de sécurité pour que la population travaille à l'occupation. N'a pas continué avec réaction cap tombé dans la classe politique là, dans la société civile là tout, concernant le phénomène de sécurité là. Maître Arnel Rémy fixe position li sur le phénomène kidnapping là. Li dit qu'il participe à mettre de l'eau dans j'ai un pile monde, dans la population, dans la famille haïtienne yo. Côté c'est un pile l'argent pour proche si la yo, kidnapper, baya pour yo kajou une libération yo. Homme de loi qui était dans Mikora Doulbien invité peuple haïtien pour faire une seule chaîne solidarité pour qui gens le cas arrivé, fait équipe en place là, freiner Zak Bandiyo. Nous invitons à écouter Maître Arnel Rémy qui était dans le micro journaliste. Et des rançons énormes, des rançons pharaoniques sont demandées. Qui ça, nous venons vous faire? Il y a moyen pour dire non, lorsqu'on campe et travaille. Il y a moyen pour dire non, lorsqu'on parle, on pas décide dans le bureau. Il y a moyen pour dire non, lorsqu'on est la caille. Il y a moyen pour dire, il n'y a pas qu'à supporter ça encore. Il y a dit, ah, je m'en fous une semaine, je suis là quand même pour nous toujours pas chier. Pour qui ça me pas considéré comme ça? Parce que nous même pas dans la politique, nous pas en fanatique de violence, nous pas en fanatique et pas gagne des ordres, nous pas décidé de faire la violence. Monsieur, dans la situation est chaotique, la situation est fragile, les bandits étendent leurs tentacules et ces populations sont victimes. Et m'a parlé pour vous, m'a parlé pour nous tous, m'a parlé pour journalistes, m'a parlé pour le pays. Pays fermé, nous pas qu'à travailler. Dans un cabinet, nous pas qu'à travailler pas de comme. Criminal pas contre. Mais on marche en surveille. Nous marchons manger, nous marchons à l'équipe, pour kidnapper, pour prendre 500 000 dollars américains, côté de jouer comme ça. Donc, prépare ici, je m'adresse à vous, mais au dehors des coups. Il y a une façon de dire non à tout ce qui se passe. Un, nous disons à tout le monde que seule façon pour camper, pour exprimer couleur par rapport à cette affaire-là, c'est rentrer en grève. Rentrer en grève blanc, c'est une grève de 3 jours. Tout le monde nous a dit, grève, c'est grève déjà, si tu as 3 jours. Mais écoutez, nous avons atteint le paroxysme de l'insécurité. Mais nous sommes campés d'une seule voix, d'un seul homme, pour nous dire, oh, Ariel Henry, on ne peut plus supporter ce qui se passe. On ne peut plus supporter ce qui arrive. Pour nous dire des GLB, on ne peut plus accepter que petit peuple a mouru comme ça. On ne peut plus accepter qu'il y a kidnappé mon bouddha. Pas de monde qui est épargné. Personne. Moi, invité tout le monde à rentrer en grève. Et nous bien pour nous partager, pour nous rentrer en consultation, pour nous rentrer
en pourparler avec d'autres secteurs, ce ne sera pas une grève de deux jours, ce sera une grève d'une semaine. Et si nous continuons à faire résistance, commencer la pauvreté en mettant manger la canne, faire résistance, c'est parce qu'on veut dire à Ariel Henry et toute son équipe, si il n'est pas capable de faire le peuple, sécurité que le bagouille pour l'autre équipe qui permet que nous jouions le résultat. Qui n'a plus notre quoi, le pays a souffri. Responsable affaires financières dans le parti RDNP, Rassemblement démocrate national progressiste, fait qu'on n'est pas jamais un accord qui était signé en septembre 2021, mais plutôt un petit groupe monde qui était aldéé Mosso Gato Payo, Wadner Edouard, qui t'a répondu à une question Radio Lumière, dit pas comprendre comment, après 8 mois, l'équipe Ariel Henry n'a pas fait rien pour résoudre le problème insécurité. Pendant les dit aucun groupe n'a dû penser c'est ou celle qui a une solution à problème pays. Nous invitons à écouter M. Wadner Edouard qui tape répondre à une question journaliste Radio Lumière. Comment le RDNP pas de accord en septembre? Parce que si tu as accord en septembre, nous tapons implémentation accord dans le bénéfice communauté. Donc, c'est des gens qui étaient d'accord pour le côté pour aller. Ils cherchaient un subterfuge, ils ont eu l'accord, ils mettaient tête ensemble pour partager un petit morceau, mais vraiment un petit cal, tout petit richesse qui était arrêté dans le pays. Parce que qui te m'explique bien, comment on t'a fait comprendre que lycée premier ministre, lycée ministre justice, lycée ministre intérieur, lycée ministre affaires sociales, il y a obligation de résultats envers la communauté. Et puis pour nous, on a s'ennuyé là, je dis. Même ça, il était satisfait que lycée dirigeant, lycée premier ministre, c'est pas normal. Comment on t'a fait comprendre que docteur Ariel, son médecin de profession, qui est un patient qui l'a caillé, mais contentez-le que chaque patient vienne l'après combat avec lui, mais mal patient vienne pour traiter, à pas traiter, il n'a pas de conscience qui fait. Il fait différemment, c'est pas normal. Ça fait au niveau de l'UDNP, à travers tweet, ça, le secrétaire général Eric Jean-Baptiste Mettez-Dio nous dit, si plus passer 8 mois après, pas gagner aucun signe, mais vraiment, pas gagner aucun signe qui montre une volonté politique pour résoudre le problème et sécurité ça là. Nous pesons sur moi, Sony, pas gagner aucune volonté politique pour adresser problème sécurité au plus haut niveau de l'État. C'est 8 mois après, pas aucun signe qui dit mais ça, monsieur Ariel Henry a fait, et ça l'a fait, mais qui va la mener nous, et mais qui timing qui dévoile pour le réaliser. C'est 8 mois après, condition de la vie, monde vient plus difficile que j'en le taillé. Donc nous dit, assassinat et président dans chambre la carrière, il fait pour. À travers une position gouvernement, ça a gagné, à travers des décisions qu'il a prises, à travers des choix qu'il fait, mais qu'il est sorti dans le Katouboum de ça. Son inquiétude majeure pour que la population a questionné, acteurs politiques ont questionné, jusqu'à. On parle d'accord, un vrai accord pour qu'il sorte du pays dans sa lia, monsieur Edouard Wadner. Donc, on a divers accords tout qui sont souterrains, Montana, accord unitaire, qui positionne RDNP par rapport à eux-mêmes. Depuis au commencement, nous t'ai toujours dit que le pays c'est pour les Haïtiens, c'est pas pour un groupe d'Haïtiens. Donc, personne ne peut prétendre que l'IGS est une solution au problème ça à lui-même seul. Aucun groupe ne peut prétendre que l'IGS est une solution au problème là à lui-même seul. C'est pour qu'on véritable unité ensemble. C'est ça que nous avons dénoncé le comportement de tout le monde, soi-disant monde qui sont acteurs politiques qui ont gagné, dans le moment qui ont gagné une sorte d'éventuel marché contré pour te retirer nous d'un problème, peut-être pour te retirer nous d'un problème qui nous a gagné. Ça a été le campé. On a continué avec l'information sur antenne Radio Lumière 97.7. Porte-parole OPL a continué à plaider en faveur de Jean Chita Palé, représentant divers accords politiques qui sont présents sous terrain. Hein, ça qui, d'après lui, est capable d'aider pays à gagner une équipe en tête li, qui travaille pour retirer dans sa lié la journée jeudi. Daniel Siria qui dit PM Ariel Henry pague provision légale pour notre tête pays pendant les toutes conditions, il dit toutes conditions réunies pour bon Jean négociation faite entre signataire accord Montanayo avec équipe Ariel Henry. Nous invitons à écouter M. Daniel Siria. Ariel Henry, comme le premier ministre de facto, qui n'a pas de mission dans la tête de l'État et qui n'a pas aucun mandat.
bipartite sur aucun cadre légal et constitutionnel. Et société haïtienne n'a pas reconnu la dernière, mais de fait, il était le pouvoir. Et puis, il y a une initiative, une démarche de la société civile et de la classe politique à travers Accord Montana qui a cherché une solution à la crise haïtienne. Non? Qui en discussion avec M. Henry et avec l'équipe qui est entourée là, et dans le cadre des marches, il y a un consensus politique pour capable de faciliter à pays à un pouvoir, à un gouvernement qui est plus ou moins légitime et qui a une mission clairement définie, qui est capable de gérer pays à pour retirer la sécurité totale dans la ville. Pour capable de retirer l'instabilité politique au niveau depuis des années. Donc, c'est de ça n'a pas parlé. Donc, tout récemment, c'était vendredi dernier, j'ai gagné une dernière rencontre entre les deux parties. Donc, ils ont mis d'accord déjà sur la nécessité de négocier. Combien de temps de négociation est capable de durer? Et puis les conditions de la négociation. Donc c'est de ça qu'il s'agit de. Alors, on parlait de conditions de négociation. Est-ce que nous chita sur nous bâtions déjà ou du moins nous réfléchis? Tout à l'heure dans la négociation, hein, conditions de négociation. Mais est-ce que nous espérons une issue dans la négociation? Ça aussi, tu as parlé ça, nous avons dit qu'il a débouché dans l'intérêt société compte tenu de déclarations et déterminations et qui parlait l'Henri pour continuer à être sous pouvoir. Alors, nous ne pouvons pas parler l'Henri avec l'équipe client, mais pour Montana, au niveau de Montana, la démarche, c'est pour résoudre la crise. L'autre information dans l'édition journal ça, ministère de l'Unité des Chrétiens pour le Réveil et le Renouveau d'Haïti, MUCRE a annoncé un gros camp à la prière, à conseillement, sous pardon, à réconciliation dans le cadre d'une conférence pour journalistes, jeudi mardi 22 mars 2022. Gros cérémonie la prière, c'est là, qui pourra le dérouler en baptême, ak pardon, réconciliation nationale la possible, un passage initiateur, mouvement, c'est là, rejoint dans l'Éphésiens chapitre 4, verset 22. Activité, c'est là, a duré 3 mois. C'est chaque quatrième samedi, jeûne, 6h dans le matin pour arriver 6h dans l'après-midi. Et là, pour le dérouler, c'est une explication pasteur Jean-Baptiste Jean-Claude, qui est coordonnateur général MUCRE, côté le fait qu'on est lancement campagne, c'est là, à fête samedi 26, cabine là, dans le palais municipal d'Elma 33. Pasteur l'église de Dieu Bethesda a invité tout le monde qui vient participer dans l'activité, c'est là, pour marcher avec ça. Drapeau blé et rouge à bien chaise, c'est sous donc pas bien chaise, c'est sous ça. Tout le monde a chita pour lamenter devant bon Dieu pour pays. En côté pasteur Jean-Baptiste Jean-Claude qui est coordonnateur général MUCRE et qui t'est parlé dans le micro Saint-Louis Jean-Yves. Nous prenons décision que pour nous lancer une campagne prière, enseignement sur pardon et réconciliation nationale. Thème c'est à pardon, réconciliation nationale là, possible, que nous joignons à Éphésiens 4, verset 32. Alors, nous avons lancé travail et campagne ça, samedi 26 en mars là, à 6h du matin pour 6h du soir, dans le palais municipal d'Elma 33. Nous gagnons plusieurs organisations et associations, l'église qui rejoignent nous dans ce sens ça et nous continuons à mobiliser toujours pour que nous soyons capables de faire un faisceau pour notre côté bon Dieu pour nous prier. Mais trois premiers mois, mars, avril, mai, nous consacrer pour que nous intercédions pour le secteur protestant pour nous unir. Parce que si nous avons demandé aux peuples haïtiens, les hommes et les femmes politiques d'Haïti, pour que nous fassions
pour gagner entente entre eux, faut que nous même secteur nous voyons signal ba yo. Et si nous pas ca voyer signal là avec qui figure la parler de pour nous dire entendre yo. Alors dans ce sens ça nous croit que tout le monde qui dans secteur et organisation dans secteur gagne pour devoir pour chita ensemble pour fouter l'idée ensemble. Vide consente contentieux pour que ça pour ne pas dire ça. Parce que gagne petit bagarre dans mitan nous que yon pas d'accord avec l'autre. Même quoi que lui arrivé, si nous gagne conscience pour nous dire que ça pas capable continuer encore, nous devons mettre tête nous ensemble pour nous porter changement que le pays d'Haïti attend. Donc, un moment rassemblement, l'irrivé, s'il vous plaît, chaque monde, chaque organisation, chaque mission qui est dans le secteur, attendez-moi là, s'il vous plaît, en nous longer main yon by l'autre. En nous pardonner. Mais pour nous pardonner, il faut une confession. Il faut une repentance. Songez que vous avez fait un bagage qui n'est pas bon. Et bien, ou même s'il vous prend conscience, il demande au pardon, pardonnez en réconcilier pour nous sauver le pays d'Haïti. Alors, campagne ça a déchiré en fait, c'est quoi déroulé pendant quelle période? Campagne ça a déroulé sorti mars pour arriver juin, si Dieu veut. N'a pas fait 3 premiers mois, 6 pour 6. N'a pas campé devant mon Dieu pour secteur. Et après 3 premiers mois, on a continué à prier pour mon Dieu orienter nous pour nous capables de faire le peuple à l'orientation. En fait, c'est le constat qui permet nous de venir avec des campagnes par rapport à ça, à vivre dans la société qui fait nous prendre des décisions. Nous sommes capables de répondre pour nous. Premièrement, et heureusement, c'est Radio Lumière qui a posé une question, ça, là, pour comprendre ça, m'a dit. Hein. Pour la première semaine de janvier, moi-même personnellement, je suis capable de prier pour l'orientation ministère moi, et famille. Moi. Et c'est la donne, pendant ma prière, pendant la semaine, pour Dieu révéler. Les mandés pour me créer lancer campagne prière ça pendant toute l'année pour secteur et pour pays.